À quelques heures de l'arrivée du pape François, le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalkonde, a visité les sites papales pour se rassurer du bon déroulement des travaux. Entre-temps, les organisateurs sensibilisent les chrétiens catholiques pour un accueil chaleureux du souverain pontife dans une caravane. Justement, rapport avec l'arrivée du pape François sur la terre congolaise, nous serons en direct avec notre confrère Gaëtan Magalanou, qui se trouve présentement à l'aéroport international de Ndjili. Il va nous décrire l'ambiance qui règne sur place. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue au 13h30. La République démocratique du Congo a repris sa place dans le concert des nations, ce qu'a dit le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux membres du corps diplomatique accrédité en RDC. C'était lors de la cérémonie d'échange de vœux hier au Palais de la Nation. Enfin, le point avec la presse présidentielle. Réunis autour du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux de nouvel an, les corps constitués de la nation et le représentant du corps diplomatique et des organisations internationales accréditées en RDC ont formulé des vœux de santé, de bonheur et de réussite à l'endroit du président de la République, sa famille ainsi que tout le peuple congolais. S'exprimant en qualité du doyen du corps diplomatique, Georges Massafou, ambassadeur du Kenya en RDC, a félicité le chef de l'État pour son leadership et son engagement, ainsi que sa détermination et ses efforts sans relâche à restaurer la paix à l'est de son pays et à redresser son économie nationale. Dans une adresse d'une demi-heure, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est revenu sur les nouvelles responsabilités de la RDC depuis ce 1er janvier 2023 à la tête de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, l'OADA, dont il assume la présidence de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Dans son exposé, le président de la République a également résumé des avancées très significatives du gouvernement congolais au cours de l'année 2023 sur les axes prioritaires, notamment la restauration de la paix et de la sécurité. S'agissant de la République démocratique du Congo, le gouvernement a poursuivi les efforts de réalisation de son programme d'action pendant l'année qui vient de s'écouler sur les axes prioritaires suivants. La restauration de la paix et de la sécurité, le renforcement de l'autorité de l'État, la relance de l'économie nationale, l'assainissement de la gestion des finances publiques, la lutte contre la corruption sous toutes ses formes, la construction d'infrastructures, la protection de l'environnement, l'amélioration des conditions de vie des populations, la couverture santé universelle, la gratuité de l'enseignement de base, l'autonomisation de la femme, la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, la réhabilitation des 145 territoires administratifs du pays et la relance de la diplomatie congolaise. Cependant, en dépit des progrès incontestables relevés ci-dessus, l'année dernière a été jalonnée par des épreuves douloureuses dans les relations entre la République démocratique du Congo et certains pays voisins, en particulier le Rwanda, qui, depuis 23 ans, s'est toujours octroyé le droit de nous agresser et de commanditer des crimes abominables sur notre territoire national, au mépris du droit international, de la Charte des Nations Unies et de l'acte constitutif de l'Union africaine. Au sujet de la question sécuritaire de son pays, sans mâcher le mot, Félix Tshisekedi souligne à l'intention de l'opinion nationale et internationale que les vrais enjeux de l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda et de la crise sécuritaire à l'est de son pays sont économiques et hégémonistes. Comme je l'ai dit à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, nous défendrons l'intégrité de notre territoire, la souveraineté et l'indépendance de notre pays, quoi qu'il en coûte. Je voudrais particulièrement mettre l'accent sur la solidarité exprimée envers le peuple congolais au travers des efforts considérables investis par les chefs d'État des pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est
dans le cadre du processus de Nairobi, facilité par le président honoraire du Kenya, son Excellence Uhuru Kenyatta, en vue d'une solution durable au phénomène des groupes armés locaux et étrangers dans cette partie de notre pays, dont le M23. Je réitère la demande du gouvernement congolais, introduite depuis septembre dernier auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies, d'examiner le rapport des experts de l'ONU sur la situation sécuritaire à l'Est, du reste déjà distribué aux États membres, et d'infliger des sanctions individuelles et collectives aux autorités rwandaises, aux terroristes du M23, ainsi qu'à l'État rwandais qui bafoue le droit international et commet des crimes ainsi que des violations graves de droits de l'homme au Nord Kivu. Sur un ton ferme, Félix Tshisekedi rassure qu'aucun Congolais n'est dupe ni naïf sur cette évidence. Que tout le monde sache, hier, aujourd'hui et demain, aucune génération de mes compatriotes ne cédera ni n'alignera un centimètre carré du territoire national à quiconque pour y établir une colonie du peuplement ou d'exploitation. Fin de citation. Le plus grand pays catholique d'Afrique accueille le chef de l'Église catholique aujourd'hui. Sa visite est historique et très attendue. Et pour rendre plus festive cette visite apostolique du pape François en terre congolaise, un festival est organisé depuis dimanche dernier au Palais du Peuple, dénommé Festival Papal. Il met en concurrence plusieurs chorales. Les explications d'Emmanuel et commissaire. Des voix sublimes et angéliques qui ont captivé l'attention du grand public venu au Festival Papal. C'est dans la salle de spectacle du Palais du Peuple qu'a eu lieu ce festival musical. On prépare à ce grand rendez-vous artistique la chorale Pueri Cantores de la paroisse Saint-Augustin Maranatha, les messagers de Fatima et Maria Goretti. Une initiative de la fondation Grâce Mbongue portée par l'archidiocèse de Kinshasa. Nous avons pu réunir quand même une salle de 800 personnes autour des chorales. Je demande à tous ceux qui ont leur chorale, qui ont concouru, de venir nombreux pour mettre le ticket d'entrée dans l'urne, pour faire gagner le jour final, le 4, leur chorale. Présent dans la salle, l'archevêque métropolitain Fridolin Cardinal Ambongo, le président du Sénat Modeste Bahati, ainsi que d'autres personnalités ont savouré de la bonne musique. Toutes les chorales ont été excellentes. Voilà ce que je peux dire. J'invite tout le monde à venir parce que ça ne s'arrête pas aujourd'hui. Ça va continuer. C'est une grande bénédiction que nous apporte le pape François. C'est vrai que ce n'est pas la première fois que nous recevons le pape. Mais ici, nous sommes dans un contexte tout à fait particulier. Ce festival papal intervient en prélude de l'arrivée du pape François à Kinshasa, prévu ce 31 janvier 2023, et concerne également d'autres ensembles musicaux avec des sonorités aussi variées, jusqu'au 4 février au Palais du Peuple. Étant enclavé dans la ville de Rome en Italie, le Vatican a été créé le 11 février 1929 comme représentation temporelle du Saint-Siège au terme de la signature des accords du Latran. Voici une brève présentation avec notre confrère Jacques Kawaba. Le Saint-Siège fait partie de l'ONU depuis le 6 avril 1964 en tant qu'État observateur permanent. La cité du Vatican est un État enclavé dans la ville de Rome en Italie, support territorial du Saint-Siège. Il compte près de 1500 habitants sur une superficie de 0,44 km², ce qui en fait le plus petit État au monde. Son statut au regard du droit international public fait l'objet d'un débat. On a par exemple proposé de les considérer non pas comme un État, mais comme une organisation internationale. Le Vatican a été créé le 11 février 1929 comme représentation temporelle du Saint-Siège au terme de la signature des accords du Latran parfait cardinal Gaspari et l'Italie, représenté alors par Benito Mussolini. La langue véhiculaire est l'italien et non le latin, qui est langue de l'Église catholique romaine. Toutefois, le latin est la langue juridique de l'État. Les textes de référence des publications officielles est en général rédigé en latin, puis traduit dans de multiples autres langues. Le français en est la langue diplomatique.
Le Vatican est d'ailleurs enregistré comme État francophone auprès des organisations internationales. Les nonces ont ainsi une vision planétaire. Ils ne protègent pas un territoire, une nation, des intérêts militaires ou stratégiques, mais la liberté de l'Église à exercer sa mission religieuse. Depuis plus d'un siècle, l'action de l'Église s'est vue également en faveur de la paix, du développement et du respect des droits de l'homme. Cette promotion des valeurs de l'Église a pris une valeur prépondérante dans la diplomatie vaticane. La présence du représentant du pape en RDC remonte à 1939, soit 10 ans après la signature de l'accord de Latran. En cette année, la République démocratique du Congo est représentée auprès du Saint-Siège par un ambassadeur de carrière en la personne de M. Deogracias Dagano Mangobuki. Pour sa part, le Vatican est représenté en RDC par le nonce apostolique Mgr Hector Balestero. L'un des successeurs de l'apôtre Saint-Pierre, le pape Jean-Paul II, bien sûr, a consacré ses 5e et 20e voyages pontificaux à la République démocratique du Congo, notamment en mai 1980 et août 1985. Lors de son dernier voyage en RDC, le pape Jean-Paul II a béatifié la sœur Marie-Clémentine à Norite Ningapeta le 15 août 1985, jour de la commémoration de la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. 38 ans après, le 266e pape, le Saint-Père François, est attendu en République démocratique du Congo, l'un des plus grands pays catholiques. La RDC qui fait face à plusieurs défis, entre autres défis évangéliques, défis de la paix, du développement et de l'environnement. Toutes ces raisons justifient l'arrivée du pape qui tient à montrer sa solidarité envers le peuple congolais. Aussi, occasion pour lui d'exprimer l'amitié, la proximité de l'Église universelle auprès de l'Église de la RDC. Par cette visite, sa sainteté veut réellement aider les Congolais à tourner la page, c'est-à-dire inviter les Congolais à se réconcilier. Rappelons toutefois que la Congrégation romaine pour la liturgie a approuvé officiellement en 1988 les rites dits zaïrois comme l'un des rites catholiques officiels. Il correspond à la vie et à la culture africaine. C'est un rite des diocèses de la RDC caractérisé particulièrement par la participation active de l'Assemblée, notamment par la danse, comme une expression de la foi, par l'invocation des saints et des ancêtres, par la mise en valeur du rôle des lecteurs et par les styles très oral des prières. Kinshasa est donc dans la fièvre de l'arrivée du pape François. Le Premier ministre Jean-Michel Samalkonde a effectué hier une dernière visite d'inspection sur les sites concernés par les activités papales. Reportage Patti Tondouan. S'assurer que tout est fin prêt pour un séjour agréable du pape François en République démocratique du Congo, c'est la raison d'être de la réunion que le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a présidée pour la énième fois à l'immeuble du gouvernement. Tous les services impliqués étaient réunis autour du chef du gouvernement, coordonnateur du comité préparatoire de l'accueil papal. Après avoir reçu des informations des différentes commissions, les chefs de l'exécutif national est descendu tard dans la soirée, d'abord au stade des martyrs où le podium a été endommagé suite aux intempéries survenues sur la ville province Kinshasa. Jean-Michel Samalukonde Kyenge a eu droit aux explications des responsables de l'entreprise chargée d'aménager ces sites. Le plus important est que le Premier ministre a eu des assurances sur le réaménagement de ces podiums. Cap vers le site de Ndolo, prévu pour la grande messe qui va dire le souverain pontife le mercredi 1er février 2023. Tout est prêt pour ces grands événements, le chef du gouvernement l'a constaté avant de s'exprimer. Sur instruction du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous sommes venus à la suite des pluies que nous avons eues la nuit du 29 au 30, pluies avec des forts vents, pour vérifier au fait les différents sites qui vont abriter les activités papales. Sur les trois sites à ciel ouvert qui vont recevoir plusieurs personnalités et même la population de la ville de Kinshasa, nous avons eu sur l'un de ces sites, notamment au stade des martyrs, un incident parce que nous avons eu des structures qui ont bougé. Il faut reconnaître d'abord qu'au niveau du stade des martyrs, qui est homologué FIFA, nous avions des exigences en termes des poids des matériaux et donc nous devons nous réadapter par rapport à ça. Mais aujourd'hui, nous avons trouvé tous les offices qui travaillent là-dessus à pied d'œuvre pour garantir non seulement que nous puissions avoir un site sécurisé. En termes de podium, il n'y avait pas eu
de mouvement au niveau de, des structures qui doivent quand même abriter et un spectacle et la délégation qui vont accompagner sa sainteté le pape. Andolo, nous trouvons pratiquement les travaux fin prêts. Surtout que ce site va commencer à recevoir les populations de la ville de Kinshasa assez tôt. La mise en place est prévue pour être terminée à 7h du matin. Donc toutes les instructions sont données à tous ceux qui doivent venir vraiment de s'y prendre à temps. Nous allons sécuriser les entrées, les ouvertures, les voies d'accès qui seront piétonnes pour assurer que toutes les populations puissent accéder en toute sécurité et que nous puissions avoir la masse attendue ici sur ce site de Ndolo. Et donc, pour le reste, nous continuons à suivre l'activité pour nous assurer qu'elle puisse se dérouler sans incident. Les intempéries, du fait du dérèglement climatique, nous en avons. Nous vérifions la météo pour nous garantir que ce jour-là, peut-être, nous n'en aurons pas. Mais même si c'est le cas, c'est déjà une célébration qui est annoncée. Nous allons la faire indépendamment de tout. Et donc, content de voir que ici, sur ce site, comme sur les autres, c'est surtout le chronographe et la sécurité qui est mis en avant pour que tout soit respecté. Nous attendons donc le grand jour qui est demain pour commencer ces activités qui vont aller jusqu'au vendredi. Le chef de l'exécutif national a souhaité la bienvenue à tous ceux qui vont communier sur différents sites sous le thème annoncé par sa sainteté le pape François, tous réconciliés en Jésus-Christ. Et nous sommes en direct avec Gaëtan Magalano, notre envoyé spécial à l'aéroport international de Ndili. Bonjour Gaëtan, quelle est l'ambiance à l'aéroport à quelques heures de l'arrivée du pape François? Petite Samba, l'ambiance est plutôt calme ici à l'aéroport international de Ndili, aux alentours hein, de l'aéroport de Ndili. Le chrétien catholique quitte déjà leur domicile. Certains s'y sont déjà amassés au lieu indiqué sur le boulevard Lumumba pour réserver un accueil au pape François à l'aéroport international. Ici à Kinshasa en RDC, à 15h de Kinshasa, sur le boulevard, un petit commerce s'est développé, la vente de t-shirts, calendriers, polos, drapelés à l'effigie du pape. La police qui voyait sur le boulevard qui sont d'assurer la circulation de personnes et de leurs biens. La circulation est plutôt fluide hein, pour les voitures sur le boulevard Lumumba. Le programme prévoit, juste après l'accueil à l'aéroport international de Ndjili et par le chrétien catholique du pape François, une rencontre avec le président RDC congolais Félix Tshisekedi au palais de la Nation, mais également une rencontre avec le corps diplomatique et la société civile. Merci beaucoup Gaëtan pour toutes ces explications. Nous rappelons que vous êtes sur place à l'aéroport international de Ndili. Une vive mobilisation de la ville de Kinshasa pour accueillir le pape François. Pour ce faire, une caravane de sensibilisation et d'information a été organisée par la population venue de tous coins de la capitale. Serge Merlemata, reportage. La cible ici retenue est la population de Founa. Il s'agit d'une caravane de sensibilisation et d'information ayant pour but, selon les organisateurs, de mobiliser les fidèles catholiques et surtout les hommes et les femmes de bonne volonté en vue de réserver un accueil digne, chaleureux et fraternel au pape François dès son arrivée dans la capitale congolaise. À cela s'ajoute une vive participation aux activités annoncées du souverain pontife. Pendant près de 2 heures, de l'avenue Kionza dans la commune d'Engaba, en passant par les avenues Kapela, Kombe et Wagenia, toujours à Kalamu, l'objectif principal de cette caravane de sensibilisation des masses était d'expliquer au peuple congolais en général et à la population des Founa en particulier l'essence et l'apport de la visite apostolique et des solidarités du souverain, du Saint-Père, en République démocratique du Congo. En tant que chrétien, notre pays est en train de traverser des moments de turbulence où il y a la guerre à l'Est. Alors nous voudrions que l'arrivée du pape, que ce soit une occasion de bénédiction pour notre pays, une occasion où nous appelons la paix, que puisse réellement devenir effective. C'est donc une mission accomplie pour la fondation Totonga Founa qui s'est donnée pour mission de sensibiliser la population de cette circonscription à réserver un accueil digne, chaleureux et fraternel au pape François en visite apostolique et de solidarité en République démocratique du Congo. Paix et cohésion sociale est donc le thème de cette activité.
Toujours en rapport avec l'arrivée du pape François à Kinshasa, hier, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a effectué une descente dans les différents sites où il se rendra. Ceci pour se rassurer du dispositif sécuritaire. On fait le point dans ce reportage. Kinshasa, la ville papale, à partir du 31 janvier jusqu'au 3 février, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, à quelques heures de l'arrivée du pape, veut se rassurer du dispositif sécuritaire sur tout le site, stade des martyrs, première étape de sa tournée. Daniel Asselokito Akoy constate avec amertume la chute d'une partie de la toiture du podium avant d'être rassuré. Les équipes sur place sont à pied d'œuvre pour tout remettre au point. Au nom du gouvernement, et je suis passé par ici pour faire le constat. Ce dispositif pourra être en bon état. La réponse est positive que nous venons d'avoir, c'est-à-dire que d'ici le jeudi, tout sera mis en œuvre pour recevoir les Saint-Père et les jeunes. Autre site, l'aérodrome de Ndolo, pour conclure avec l'aéroport d'Ondjili. Sur place, Daniel Asselo s'est livré au même exercice, rassuré de tous les dispositifs sécuritaires. Il a appelé les fidèles qui viendront au respect strict de mesures sécuritaires qui seront édictées pour chaque cérémonie. Les policiers seront déployés dans tout le coin du stade pour aussi assurer la sécurité des personnes attendues à la rencontre avec le souverain pontife. Autre chose, plus de 200 jeunes présumés bandits urbains appelés Kuluna sont tombés dans le filet des forces de l'ordre après un bouclage dans les quartiers des communes de Kinshasa et de Barumbu. Infatigable dans la lutte contre l'insécurité, le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa a procédé dans la nuit de samedi 28 à dimanche 29 janvier 2023 au bouclage de quelques quartiers des communes de Kinshasa et Barumbu. La police, appuyée par la 14e région militaire, était à la recherche des bandits délinquants juvéniles appelés communément Kuluna. À l'issue de l'opération, qui s'est globalement bien déroulée, plus de 200 personnes ont été interpellées. Après le tri, conformément à la cartographie de la police et aux renseignements, ainsi qu'aux témoignages des deux bourgmestres et leur population, le commissaire provincial, le général Silvano Kasongo, a ordonné la libération de ceux présentés comme n'étant pas des Kuluna. Vingt-huit personnes certifiées Kuluna ont été embarquées. Et le coup est à salut vraiment, tu bêtes ma boko, tu bêtes ma boko. Ah, tu vas n'a quitté vraiment, mais tu m'as tombé pour attendre pour Bakende, papa, Bakende. N'a ce pays, ma casse, ça tiki ba innocent, Bakuluna, Bakende, Bakende, toi laisse, Mando, la vie, ça va tiki ba innocent. Le coup est à salut. Kuluna na komina Kinshasa ba ngwele ki mtata ba sina mbonte to komo ba komina so ba mbon na biso. Nasenka merci. Les bourgmestres des communes de Kinshasa et Barumbu se sont réjouis du travail abattu par la police. Pour les commissariats provinciaux, cette opération va se poursuivre ailleurs pour débarrasser la ville des bandits qui sèment la terreur et la désolation. Donc on tire pour boucler, que ce soit à Obiaye, de façon que police et population font la kimia. Donc le monsieur va mibi, va kuluna, va kende, consomme sa mana, va conduire au ministère public. Alors, tout ça est une population collaboration, collaboration de la police, collaboration de la bourgmestre, de la chef de quartier, de la chef de rue, tout ça va avoir ta suggestion, va kende, tout ça va combo kuna, pour dénoncer va kuluna, de façon que, tout le monde va faire ça, va éradiquer le phénomène de kuluna. Nous sommes en police sans population de kuluna. C'est à la mariage, la mission à chaque fois, collaboration étroite, avec les camarades. Vous voyez que Mboka la mission Tozali, pays laïque, bien sûr, mais Tozali est le premier pays africain catholique. C'est un Botos, il n'y a pas de Botos. Service de renseignement, ils ont déjà partout, ils ont tous les Botos, il y a vraiment un peuple de discipline de façon que les camarades. Comme on a un peu de la police, service de sécurité, on a un peu de la police.
Et pour rendre aisé l'accès au lieu de la messe, le commandant de la ville a demandé aux fidèles de s'abstenir de porter des sacs. Le gouverneur a un message de façon que la messe n'est pas sac. La messe, maman, ou bien la sac à mettre, pour effacer cette tâche, il y a fui. Parce qu'un million de personnes, on va rencontrer dans le dos. La police a effectivement poursuivi l'opération de bouclage, mais cette fois-ci, elle a nettoyé la cour des hommes en uniforme. C'est le camp Mbaki, Ndolo, qui a été bouclé la nuit du dimanche 29 à lundi 30 janvier 2023. C'était pour arrêter ceux des enfants militaires qui sont des Koulounas. 36 jeunes gens, connus comme des bandits, ont été mis aux arrêts et c'est le commandant du camp qui a personnellement identifié les enfants des militaires qui sont des Koulounas. Les criminels pointés par le commandant du camp, sans complaisance. En nettoyant les quartiers situés autour des lieux où le pape François va tenir ses activités le 1er et le 2 février, les fidèles catholiques et tous ceux qui vont s'y rendre à Ndolo pour la messe et au stade des martyrs pour la rencontre avec les jeunes seront dans la quiétude et la joie d'assister à ces événements qui verront les souverains pontifes fouler les sols congolais à l'invitation du président de la République, Félix Tshisekedi. Conflit Tekeyaka Kwamuntu, plusieurs jeunes quittent la brousse pour le rétablissement de la paix et donc les déplacés regagnent progressivement leur milieu respectif. Les détails dans ce reportage. Dépêché en urgence par le Premier ministre, le chef du gouvernement, Samalou Kondé Kengé, pour superviser le départ de la troisième vague de jeunes gens ayant répondu à l'appel de la mobilisation générale du chef de l'État, Jean-Claude Molipe Mandongo, vice-ministre de l'Intérieur et Madame Nana Manonina, ministre près du président de la République, s'y sont rendus ce matin au camp Kibomango pour échanger avec 151 jeunes qui ont choisi de servir dans l'armée après avoir mis fin à leur participation au conflit Tekeyaka au plateau des Bateke dans le Grand Bandundu. Prenant la parole, ces deux membres du gouvernement congolais ont adressé tour à tour le message du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à ces jeunes gens jadis abusés par le tireur de ficelle dans les conflits Tekeyaka. Le vice-ministre Jean-Claude Molipe leur a signifié que le président de la République tient beaucoup au retour de la paix totale sur toute l'étendue du pays et particulièrement dans le plateau de Bateke, d'où ils sont issus. Il les a aussi encouragés à servir fidèlement la nation à l'issue de leur formation militaire dans les différents centres de formation où ils vont être déployés. Ces jeunes gens, 115 au total, partent à destination de Kamina dans le Haut-Katanga et se disent tous très contents de pouvoir servir sous le drapeau au moment où leur pays subit une agression de la part du Rwanda sous couvert le M23. Les deux autorités ont personnellement supervisé l'embarquement de ces jeunes pour toute fin utile depuis l'aéroport de Njili où ces jeunes ont fait le déplacement dans l'enthousiasme, scandant de chansons de joie, chemin faisant. Le ministre près du chef de l'État a pour sa part mis en garde les tireurs de ficelles qui instrumentalisent ces jeunes afin de commettre des atrocités. Pour rappel, c'est l'un des 151 jeunes qui vont servir la République constitue une troisième vague après la première de 112 et deuxième vague de 87, de part avec comme objectif le retour de la paix totale dans le plateau de Bateke, autrefois théâtre des événements sanglants entre différentes communautés du pays. Le centre de formation Elikia Yamwasi entendait l'espoir de la femme est opérationnel. L'honneur est revenu à la première dame Denise Nyakero Tshisekedi de parrainer ce centre et de procéder à son inauguration sous l'œil admirateur de sa coordonnatrice Benoît Muyaya. Jean-Pierre Ndolo Demazou. Les mamans venues de tous les horizons de la ville de Kinshasa ont envahi ce lundi le centre de formation Elikia Yamwasi pour assister à l'inauguration de cet important outil
qui va assurer leur formation dans différents domaines. Il s'agit de l'alphabétisation, de la coupe et couture, de l'informatique et de l'esthétique. La coordonnatrice du centre de formation Elikaï à Moissy, Madame Benoît Mouyaya, dit ici les raisons qui ont milité en faveur de la création de ce centre. En créant ce centre, nous avons voulu apporter notre contribution pour lutter contre la situation de précarité dans laquelle vit la femme de manière générale. Ce centre, comme son nom l'indique, est lié à Moissy, l'espoir de la femme, constitue une lueur d'espoir pour celles qui bénéficieront de nos différentes formations à se doter des atouts des plus pour répondre aux différents défis de notre société actuelle. Pour le numéro 1 du centre, c'est un projet pilote. Et là, la vocation, avec ses partenaires, à étendre le centre dans plusieurs communes de la capitale et même à l'intérieur du pays. Aucun frais ne sera exigé aux apprenantes quant à leur formation. La première dame, Denise Nyakeru-Tshisekedi, très satisfaite de l'initiative, a promis tout son soutien et son accompagnement. Peu après, la coordonnatrice du centre a fait visiter à l'épouse du chef de l'État les différents locaux qui vont servir d'enseignement. Il s'agit de l'atelier de couture, de la salle de l'informatique et celles devront servir à l'alphabétisation. La première dame a quitté le centre tout en louant les efforts de Madame Benoît Mouyaya qui, par ses actions, contribue à l'élimination de l'analphabétisme et à la création de l'emploi. La République démocratique du Congo, favorable à un partenariat avec la France dans le secteur du tourisme, c'est ce qu'on peut retenir de la rencontre entre le ministre du Tourisme, Modero Simba, et Carlos Martin Bilongo, député français. Au cours de ces tête-à-tête, les deux personnalités ont échangé sur quelques projets concernant le secteur du tourisme en République démocratique du Congo, dont la République française entend développer un partenariat avec le pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est donc dans cette optique que le ministre congolais du tourisme a présenté aux députés français d'origine congolaise la cartographie de potentialités touristiques qui regorge la RDC, parmi lesquelles l'écotourisme, c'est-à-dire la flore et la faune avec différents parcs nationaux, pour ne pas évoquer le grand site du tourisme mémoriel qui retrace également l'histoire du pays de Lumumba. Pour le député français Carlos Martins, sa rencontre avec le ministre du Tourisme à Kinshasa est une suite logique de la précédente que les deux hommes d'État ont eue en France il y a peu. Nous sommes amenés à collaborer sur différents sujets et aujourd'hui c'est mon premier passage en RDC. Donc il va y avoir encore d'autres délégations françaises qui vont arriver. Donc c'est important de pouvoir créer une passerelle de tourisme entre la France et la RDC. Profitant de son séjour congolais, ces législateurs français avaient également échangé avec le ministre de l'intégration régionale et de la francophonie, maître Didier Manzenga, avec qui il a reçu des explications claires sur le préparatif du 9e jeu de la francophonie qui se tiendra cette année à Kinshasa. La francophonie, c'est une grande histoire mondiale. Bientôt, la langue du français sera la troisième langue la plus parlée dans le monde d'ici à 2050. Et au travers de ce jeu, c'est là qu'on galvanise et qu'on renoue des liens. Et je pense que ça sera une belle fête. Pour immortaliser ce moment, le hôte de Modero Simba en posé pour la postérité dans une photo de famille. Ce journal dit. Le ministère des Mines et l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé va bientôt signer un protocole d'accord pour un contrôle dans les sociétés minières en RDC. L'objectif est de combattre le phénomène prête-nom qui existe dans la plupart des sociétés congolaises. Reportage.
Perspective d'une mission de contrôle imminente qui va devoir s'effectuer dans les sociétés principales évoluant dans les secteurs miniers que le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC a été rencontré la ministre nationale en charge des mines afin de parfaire les objectifs assignés dans la dite mission qui s'annonce grandeur nature. Miguel Katem Cachal et Antoinette Samba Kalambay se sont accordés sur un certain nombre de mesures visant à faire le ménage dans la sous-traitance. Il s'agit notamment du phénomène appelé prête-nom dont certains Congolais sont utilisés comme des actionnaires figurants, mais qui ne sont pas impliqués dans la gestion de la société. Ceci devra dorénavant appartenir au passé, parole du DG de la RSP. Nous pouvons annoncer à tous les sous-traitants congolais et à toutes les sociétés de sous-traitance en République démocratique du Congo que le système des prête-noms doit être considéré comme du passé. Dans notre contrôle, nous n'allons plus tolérer les systèmes des prête-noms. Le chef de l'État veut créer une classe moyenne véritablement congolaise. Pour solidifier cette démarche, la signature d'un protocole d'accord entre la RSP et le ministère de Mines s'avère donc indispensable. Il y aura un protocole d'accord qui sera signé entre le ministère national des Mines et la RSP. Ça sera un protocole d'échange d'informations. Le ministère nous a rassuré son accompagnement. Je suis sorti de cette audience très heureux. Il convient de dire par ailleurs que l'honorable Miguel Katem Cachal reste donc déterminé à matérialiser la vision du chef de l'État dans la création de la classe moyenne véritablement congolaise. Et ce communiqué de la radio-télévision nationale congolaise pour boucler ce journal consécutivement à l'arrivée de la sainteté, le pape François, ce mardi 31 janvier 2023 à Kinshasa. La direction générale rappelle à tout le personnel de la radio-télévision nationale congolaise RTNC que conformément aux instructions du gouvernement, la journée du mercredi 1er février 2023 est fériée dans l'avant-midi pour permettre à la population quinoise d'assister à la messe du pape à l'aéroport militaire de Ndolo. En revanche, l'après-midi reste ouvrable. Fait à Kinshasa le 30 janvier 2023, le directeur général, Madame Elenge Niembo Sylvie. Fin donc de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Nadine Futuka qui a concouru à sa rédaction. La technique a été assurée par Alain Loufouankenda. Merci une fois de plus à vous. Au revoir et à demain. Thank you.